Ça faisait un moment puisque je n'avais pas testé cette marque-là et il y a tellement de gammes, donc je ne comprends pas pourquoi je n'ai toujours pas fait d'autres vidéos dessus. Donc, je corrige tout de suite cette erreur de ma part en vous proposant le test de la gamme Do It Afro The Culture de chez The Mane Choice. Donc, on va commencer par le shampoing, puis l'après-shampoing. Sans suivre le masque, donc du coup, non pas le masque, pardon, je raconte des bêtises. On aura le masque, j'ai pris juste le mauvais produit, le Magnificent Miracle Mask, et après, on passera au leave-in. En dernier, nous aurons bien évidemment la finition style wash and go, à savoir le Bold Buttery Gel. Donc un gel qui serait un peu un gel très hydratant, gel qui permettrait une certaine définition, mais aussi un gain de volume lors d'une coiffure afro ou d'un wash and go. Donc on va regarder ça, c'est parti, let's go! Hello mes sweeties, j'espère que vous allez bien. On est parti pour une nouvelle vidéo crash test. Et franchement, un crash test que je voulais refaire depuis longtemps parce que c'est une gamme que j'ai déjà eu l'occasion de tester. Mais à l'époque où j'avais des waves et coloration, décoloration, donc ça date. Je crois que quand j'ai testé cette gamme de The Mane Choice, c'est il y a peut-être 5 ans, 5-6 ans, quelque chose comme ça. Donc je vous avouerai que je ne me souviens plus des effets, de si j'avais apprécié ou pas. Je sais que j'avais fini tous les produits, mais est-ce que j'avais kiffé ou pas, je n'en ai aucune idée, je me souviens plus du tout. Et je me suis dit, ben, j'ai déjà testé la gamme que vous allez voir s'afficher ici, en essayant de ne pas me tromper de sens. De toute façon, il y a la petite flèche qui vous indique. J'ai déjà testé la gamme Evenly Halo, que vous savez que je kiffe en termes d'hydratation pour un cheveu qui est très sec, qui s'en mêle énormément, qui est dévitalisé. Cette gamme, c'est une pépite, la gamme Evenly Halo. Donc, je vous invite à aller regarder le crash test. Mais il est vrai que je n'ai pas après été sur les autres gammes, à savoir la gamme au clou de girofle que j'ai fait gagner lors d'un jeu concours, la gamme Do It Afro, la gamme Moringa. Mais au fait, le gel, j'arrive pas à le trouver. J'ai tous les ingrédients, tous les autres produits sauf le gel, au fait. Il me faut le gel pour faire une vidéo complète. Donc, tant que j'ai pas le gel, je peux pas faire cette vidéo. Puisque je crois que, ouais, je sais pas, je pense, non, je sais pas si c'est mon best, le Moringa. En termes de définition, peut-être. Mais après, en termes d'hydratation, tout, je sais pas. Enfin, on en parlera dans la vidéo que je ferai, tout simplement. Quasi tous les produits, c'est elle qui était la première marque à proposer des produits. Enfin, moi, je pense que c'est la première, en tout cas, parce que moi, avant, je l'avais pas vu en tout. J'en avais jamais entendu parler, vu dans les autres marques, françaises, américaines, anglaises, tout ce que vous voulez. C'est quand même la première qui a commencé à proposer des produits infusés à la biotine. Il y avait de la biotine infusée dedans, de la vitamine E, certaines plantes aussi spécifiques, comme l'orchidée et tout, qui étaient infusées dedans, et que je n'ai pas eu l'occasion de voir dans d'autres marques. Elle est vraiment là pour dire, mes produits vont aider à la pousse de tes cheveux, renforcer tes cheveux. On va passer au shampoing. Donc le Powerful Shampoo. Donc la gamme Do It Fro, c'est vraiment en fait une gamme qui est spécifiée pour les cheveux crépus. For Afro Textured Hair. Donc du coup, c'est vraiment pour les cheveux frisés, crépus, qui ont ce besoin d'avoir un volume, mais en même temps, un cheveu qui soit quand même discipliné, qui adhère à ce volume, adhère à cette coiffure afro, et qui puisse briller de bonne santé, quoi. Donc, c'est vraiment ça. Dedans, on a... Et qui purifie également le cheveu, puisqu'on a quand même du charbon noir actif, et Black Cumin, c'est... C'est du Nigel. Donc, le petit côté antibactérien. Ensuite, on va passer à l'après-shampoing. Le Courageous Conditioner, j'aime bien. Qui aussi a du Nigel avec du charbon actif.
J'avais oublié comment ce shampoing et cet après-shampoing te donnaient une sensation très smoothie. Enfin, ça démêle instantanément l'après-shampoing. Le shampoing, il mousse bien, il a une agréable odeur et laisse un toucher tellement doux. J'avais des boucles qui étaient déjà en train de se définir sous l'action du shampoing quand l'eau est passée au moment du rinçage. Franchement, c'est incroyable. C'est vraiment incroyable. Mes cheveux sont hyper doux. Ils sont démêlés. Il n'y a pas besoin de mettre beaucoup d'après-shampoing comme d'autres marques, malheureusement, nous obligent à faire. Mais là, un petit tac sur mon cheveu humide et ça démêlait tout de suite. Je me souvenais plus de la sensation et là, je revis au fait. Je revis. Donc là, on va passer au masque. D'ailleurs, il faut que je fasse une vidéo sur cette histoire de oui, faut-il mettre un après-shampoing après un masque. Enfin, il y a plein de questions que les filles se posent par rapport à ça, puisque en même temps, on te dit que l'après-shampoing de son nom est censé être après le shampoing, mais on découvre que l'après-shampoing est là pour lisser la fibre capillaire, fermer les cuticules, donc ça fait que les effets réparateurs du masque ne peuvent pas rentrer. Enfin, les filles se posent plein de questions, donc il faut vraiment que je fasse un jour une vidéo dessus, pour qu'on puisse en discuter, parce que le problème, c'est qu'aujourd'hui, quasi tous les masques et après-shampoing ont des agents démêlants, ont des agents aussi réparateurs, nutritifs, donc voilà, c'est juste le dosage qui change quand on regarde bien, c'est surtout le dosage, donc on aura l'occasion d'en discuter. Donc là, j'ai oublié de vous montrer que tous les produits sont de couleur foncée puisqu'il y a le charbon actif dedans. Donc, du coup, c'est pour ça que c'est cette couleur. Mais ça ne me dérange pas. J'aime bien. Le leave-in aussi, qu'on va le voir, il me semble que oui. Et le gel, je monte déjà en... Il est... Ouh là, c'est noir. C'est noir à cause du charbon. On ne peut pas dire qu'il n'y en a pas, en tout cas. Donc, oui, on pourrait se dire que les pots de masque de chez Amosure sont très petits. Mais en fait, il n'y a pas besoin d'une super grosse quantité. Ça, je peux vous dire que ça peut durer un mois. Ça peut faire jusqu'à 4 utilisations sur un cheveu épais comme le mien. Déjà, regardez la texture. C'est une texture qui est riche. Regardez. Franchement, waouh. Waouh. Ça a les mêmes effets que l'après-shampoing, ça rend direct. Et ça apporte comme une pellicule de douceur, au fait. Ça apporte comme une pellicule de douceur à mes cheveux. Je ne sais pas comment vous expliquer ça. Ça apporte comme une pellicule de douceur. En tout cas, ça semble leur faire vraiment du bien. Et voilà, j'ai utilisé la quantité qu'il me fallait pour ce premier cas, qui est amplement suffisant. Les masques de Chiamosure. Oh là là, mais je sais pas pourquoi j'ai dit ça dans la tête depuis quelques temps. Je crois que je regarde trop de vidéos de TikTok où je tombe sous dans mes pour toi sur des produits de Chiamosure. Les produits The Man Choice, franchement, leurs masques, ils sont vraiment bien. Regardez ça. Regardez. Je ne dis pas plus. Je fais toute la tête. Je laisse poser 15 minutes sous une charlotte et après, on va passer au coiffage. La bouclance, la douceur. Alors, la douceur, vous ne pouvez pas la voir, bien évidemment. Mais franchement, ce masque, au top. Au top, au top, au top, au top. Mes cheveux sont vraiment... J'ai l'impression que ça les a purifiés, ça a fait quelque chose. Je ne saurais pas vous dire, mais ça leur a fait un bien de ouf. Ça leur a fait vraiment un bien de ouf. Comme je vous ai dit, le shampoing nettoie super bien. Donc, du coup, j'ai pas j'ai plus rien. Pas de dépôt, rien. Mais mes cheveux sont doux. On va attaquer le leave-in. Puis, le gel. Tout est gris, noir. Hein. Je vous assure que toute la gamme, c'est à cause du charbon. Mais par contre, l'odeur est très agréable. C'est vraiment agréable. C'est un leave-in qui est assez riche. La texture, elle est semi-épaisse. Quand j'applique sur ma chevelure, j'aime bien la sensation que ça procure. C'est pas aussi lourd que le masque. Le masque, il est lourd. Le fait que je mets une petite quantité, que j'étale bien sur mes mains pour appliquer. Même s'il est semi-épais, ce leave-in, il n'est pas aussi lourd que le masque. Donc, c'est bien pour les filles qui ont les cheveux fins,
Ou bon, les filles qui ont les cheveux plutôt bouclés, ondulés, elles vont apprécier le fait que ce soit un leave-in qui n'est pas trop difficile à appliquer. En tout cas, c'est un leave-in qui permettrait justement de donner cet effet volume aux cheveux tout en apportant de la définition. Ok. Ça permet toujours de démêler. C'est une formule qui est riche, renforçant et conditionnant. Et qui va développer, qui va délivrer vraiment une hydratation maximale et protéger justement les cheveux. Donc, minimiser les nœuds et qu'ils s'en mêlent. Ok. Mais ça va aussi sceller. Enfin, il fait plein de trucs, hein, ce livre. Apparemment, il fait plein de trucs. Alors, est-ce que je vais passer un coup de brosse ou de peigne? Vas-y, c'est un leave-in, donc on va le faire. Hein. Étant donné que c'est un leave-in, donc bien évidemment, il a des agents démêlants. Ça passe assez bien. Mais après, j'avais déjà démêlé avec l'après-shampoing qui démêlait super bien. Donc, c'est pas comme si mes cheveux étaient hyper emmêlés parce qu'après, je les ai gardés en section. Mais... c'est pas mal. C'est vraiment pas mal. Mais vraiment. C'est vraiment pas mal du tout. On va attaquer le gel. Oula. J'allais faire une bêtise et renverser du gel par terre comme une imbécile. Je crois que j'ai pas bien fermé le pot tout à l'heure. Un gel toujours aussi noir. Vous voyez bien que c'est un gel qui... Il y a de la texture. Il me rappelle un peu le gel que j'ai testé récemment pour vous de chez Curls, le gel vert spécial Wash & Go pour cheveux frisés, crépus. Ça m'a l'air pas mal. Hein? Ah oui. Ah oui, d'accord. Ah oui. D'accord, pas mal. Je me rapproche. Regardez ça, c'est vraiment pas mal. Mais pourquoi comment se dit que j'ai arrêté d'acheter? Je crois que j'avais arrêté parce que je ne trouvais plus. Je ne sais pas si vous savez, mais j'ai remarqué que The Mane Choice est de plus en plus rare à trouver en magasin. Alors, certains des magasiniers chez lesquels j'ai l'habitude d'aller m'ont dit que c'est parce qu'en fait, la marque, qu'ils galèrent en fait à commander aux États-Unis auprès de la marque. Apparemment... peut-être que leur stratégie a changé et qu'ils trouvent que le marché européen est moins intéressant ou le marché français spécifiquement. Je ne sais pas, mais en tout cas, c'est ce qu'un des magasiniers m'a dit. Il m'a dit qu'il galère en fait à commander auprès d'eux, qu'à chaque fois, c'est toute une galère et que c'est pour ça en fait qu'il a très peu de stock. Donc, et c'est bien dommage parce que franchement, à l'époque où j'étais revenue au naturel, que j'avais arrêté les weave et que je cherchais des bons produits pour définir mes cheveux qui... puissent aussi les faire pousser de par les ingrédients qui les composaient, aider à la pousse, eh bien, c'était The Mane Choice qui se démarquait. Je vivais pour The Mane Choice. Ah oui, la gamme Zia Alpha, la gamme Evil Yellow, la gamme Moringa, la gamme Do It Fro, c'était vraiment mes bestes. Hein. Regardez-moi cette définition, c'est dingue. Pour l'instant, je suis très satisfaite. Le gel, ça glisse tout seul. Le leave-in, il démêle archi bien les cheveux. Enfin, ça glisse tout seul, la brosse démêlante ou le peigne démêlant. J'ai rien à dire pour le moment, mais après, mes cheveux sont mouillés, donc c'est aléatoire. Alors, le gel, ça aurait été bien qu'il ait peut-être un tout petit peu plus de tenue, mais je trouve que pour les filles qui ont les cheveux frisés, bouclés, elles vont apprécier. Alors, ondulé, je pense pas, parce que ça reste quand même épais. De toute façon, toute la gamme, elle est épaisse en termes de texture et riche, à part le leave-in qui est un peu semi-épais. Mais pourquoi? Parce que de toute façon, de base, c'est pour les cheveux épais, frisés, crépus. Ils le disent, hein, c'est fait pour les cheveux afro. Texturé, mais tendance frisé, crépus, afro, quoi. C'est pas pour un texturé style ondulé, wavy, du tout. Donc, voilà. Mais en tout cas, ça définit vraiment bien. Mes cheveux sont doux. Ça m'allonge légèrement, puisque bon, après, ils sont humides. On verra quand ça sera sec. J'apprécie beaucoup le résultat. J'ai pas de dépôt. Là, c'est de la brillance hein, que vous voyez parce que j'ai aucun dépôt. Ça match archi bien. J'ai pas l'impression d'avoir les cheveux secs. J'ai pas l'impression d'avoir les cheveux trop lourds. Le pot de gel peut me faire, je pense, 3 applications parce qu'il me reste encore 2 tiers. Pour un gel de qualité, c'est correct.
parce que j'ai des gels qui parfois en une seule application, tout le pot, c'est fini. Donc j'ai hâte de voir le résultat sur mes cheveux une fois qu'ils seront secs. Voici le résultat le lendemain sur mes cheveux secs. Comment vous dire que la shinance, la définition, la brillance. Alors, je pense effectivement qu'en termes de volume, c'est-à-dire que oui, je pense que cette gamme de produits doit donner un volume de ouf. C'est que vu que j'ai mis quand même un peu plus de gel pour vraiment bien les définir et avoir un petit côté un peu plus relâché, ça fait que j'ai pas beaucoup de volume. Mais je pense que c'est possible. Je pense que c'est possible d'avoir un effet afro défini avec. Je pense que c'est tout à fait possible. Ne croyez pas que mes cheveux, ils sont comme ça le lendemain, qu'ils sont nickel. Une fois que je les ai séchés au diffuseur la veille, que le lendemain, ils sont comme ça. Pas du tout. Ce que je fais le lendemain, c'est qu'il y a encore quand même un certain shrinkage. Il y a un certain effet aussi cartonné à cause du gel. Puisque moi, j'aime que la définition est parfaite. Donc, je mets beaucoup de gel. Et qui dit beaucoup de gel dit que ça a fait l'effet cartonneux. Donc, moi, le lendemain, ce que je fais, c'est que section par section, je fais peut-être 6 sections dans ma tête. 5 ou 6 sections dans ma tête où là, avec mon sèche-cheveux, où je vais retirer la partie diffuseur, je vais aller vers les racines, tirer et passer au fait sous les racines et aussi légèrement sous les longueurs pour les détendre un peu et retirer cet effet cartonneux que le gel apporte, mais tout en gardant la définition. C'est ce que je fais le lendemain. Et c'est là que je vois ce que ça donne. Et regardez, c'est le résultat, il est good. Hein? Il est vraiment good. Il est vraiment, vraiment good. Je kiffe de ouf. C'est trop bien. Sachant que The Mane Choice est réputé pour avoir des produits de qualité avec des vrais compos. Le leave-in avec le gel ont quand même de la vitamine A, B, C, biotine qui sont infusées dedans. Vous avez du nigel, du tea tree pour le côté antibactérien ou apaisement du cuir chevelu, de l'aloe vera pour purifier le cheveu, l'hydrater. Donc franchement, c'est une gamme qui, en termes de composants, elle est vraiment pas mal. Même si elle a quelques petits ingrédients chimiques qu'il n'y avait pas de base lors de la création de The Mane Choice, quand ils ont fait les toutes premières gammes et qu'ils ont commencé avec les premiers compos, il n'y avait quasiment aucun ingrédient qui était, on va dire, pas le mot problématique, mais où il y avait certains questionnements en termes de s'ils sont des allergènes, si ça... Dans celui-ci, oui, il y a certains allergènes, donc il faut vérifier. Mais la compo reste quand même vraiment, vraiment correcte et de qualité. Et le résultat, il est dingue. Il est dingue. Mes cheveux, ils sont doux, ils sont souples, ils sont définis. Je suis fan. Mon cuir chevelu, je sens qu'il a reçu un shot de... Je ne sais pas comment vous dire la sensation, mais je sens qu'il est à nu. Je sens qu'il est à nu, que les produits n'ont pas alourdi mes cheveux, n'ont pas alourdi mon cuir chevelu. Ça n'a pas rendu gras. Et ça, j'apprécie énormément. Donc franchement, j'attends vos avis, j'attends vos commentaires. Dites-moi ce que vous en pensez. Moi, je trouve que c'est vraiment... Regardez quoi. C'est de la brillance. Hein? C'est de la brillance qui est là. Oui, oui. C'est de la brillance. Ce ne sont pas des dépôts. Il n'y a pas un brin de dépôt. C'est uniquement de la brillance. Donc, j'attends vraiment vos retours pour que vous me dites ce que vous en pensez. Est-ce que vous kiffez ou pas? Est-ce que vous connaissez cette gamme-là? Est-ce que vous l'avez déjà testée? Je veux tous vos commentaires dessus. Mais je la valide fort, 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 fort. Pour démêler, je trouve qu'elle est vraiment bien. Donc, les filles qui ont les cheveux qui s'en mêlent beaucoup, elles vont kiffer l'après-shampoing, le masque et le leave-in de cette gamme. Le shampoing, il est un peu comme celui de Shea Moisture à base d'huile de carapate ou sinon, enfin... ou sinon celui de Mélanie Aircare, des shampoings qui vont vraiment purifier le cheveu, mais que au rinçage, après, ils sont doux, ils sont souples, ils sont bien, ben ça va faire le même effet. Et le gel, oui, sur le coup, la définition, elle est ouf. Et donc, du coup, les boucles sont très, très, très serrées. Mais comme je vous ai dit, le lendemain, vous utilisez ma petite technique de faire des sections et de passer un petit coup de sèche-cheveux. Vous retirez le diffuseur, vous passez un petit coup à température moyenne et pas longtemps. Hein, juste le temps de détendre un peu la racine et un petit peu sous les longueurs. Après, ça redevient tout souple. Il n'y a plus d'effet cartonneux. C'est tout bien. Donc, en tout cas, c'est tout pour moi. Je valide fort. Et je me redemande encore pourquoi je n'ai pas continué avec ces produits. Mais je crois encore une fois que c'est parce que je galérais à les trouver.
D'ailleurs, je ne les ai même pas achetés en France. Je les ai achetés en Guadeloupe. C'est en Guadeloupe pendant mon séjour cet été que je les ai trouvés. J'ai trouvé la gamme complète et que j'ai acheté. Parce qu'en France, souvent, ils sont en rupture de stock. Après, il y a commandé sur Internet. Mais bon, après, depuis quelques temps, ce qui paraît, même les sites Internet, il commençait à y avoir certaines problématiques. Les gens disent que oui, qu'apparemment, il y a des sites qui coupent les produits. Enfin, surtout Amazon. Il y aurait un petit bad buzz en termes de produits capillaires sur Amazon. Donc, je commence maintenant à me poser des questions. Mais bon, on en reparlera dans une prochaine vidéo. Donc, c'est tout pour moi pour aujourd'hui, mes sweeties. N'hésitez pas à nous suivre sur tous nos réseaux sociaux, comme d'habitude, à savoir Instagram, où là, je mets la totale de mes informations, YouTube, en n'oubliant pas d'activer la petite cloche pour être à l'actu de toutes les nouvelles vidéos, Facebook et TikTok. Vous n'oubliez pas aussi TikTok et Facebook. Donc, que du air love. Un big air love. Franchement, un big, big, big air love. Un big air love aussi à The Main Choice. Et on se revoit pour un prochain crash test. Voilà. Bisous.